Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 15, pour la paracha Ré. Tous les 7 ans, tu pratiqueras la loi de rémission. Voici le sens de cette rémission. Tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère. Dès qu'on aura proclamé la rémission en l'honneur de Yahweh. L'étranger, tu dois le contraindre, mais ce que ton frère aura à toi, que ta main l'abandonne. À la vérité, il ne doit pas y avoir d'indigent chez toi, car Yahweh veut te bénir dans ce pays que lui, ton Elohim, te destine comme héritage pour le posséder. Mais c'est quand tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Elohim, en observant avec soin toute cette loi que je t'impose en ce jour. Car alors Yahweh, ton Elohim, te bénira comme il te l'a promis. Et tu pourras prêter à bien des peuples, mais tu n'emprunteras point. Et tu domineras sur bien des peuples, mais on ne dominera pas sur toi. Que s'il y a chez toi un indigent, d'entre tes frères, dans l'une de tes villes, au pays que Yahweh, ton Elohim, te destine, tu n'endurciras point ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère nécessiteux. Ouvre-lui plutôt ta main, prête-lui en raison de ses besoins, de ce qui peut lui manquer. Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur en te disant que la 7e année, l'année de rémission approche. Et sans pitié pour ton frère nécessiteux, de lui refuser ton secours. Il se plaindrait de toi à Yahweh et tu te rendrais coupable d'un péché. Non, il faut lui donner et lui donner sans que ton cœur le regrette. Car pour prix de cette conduite, Yahweh ton Elohim te bénira dans ton labeur et dans toutes les entreprises de ta main. Or, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je te fais cette recommandation. Ouvre ta main à ton frère, au pauvre, au nécessiteux qui sera dans ton pays. Si un Hébreu, ton frère, ou une femme Hébreu, te sont vendus, ils te serviront 6 ans, et la 7e année, tu les renverras, libres, de chez toi. Or, en libérant cet esclave de ton service, ne le renvoie pas les mains vides. Mais donne-lui des présents, de ton menu bétail, de ta grange et de ton pressoir, ce dont Yahweh ton Elohim t'aura favorisé. Fais-lui en part. Souviens-toi que tu fus esclave au pays d'Égypte et que Yahweh ton Elohim t'a affranchi. C'est pourquoi je te prescris aujourd'hui ce commandement. Il peut arriver que l'esclave te dise « Je ne veux point te quitter ». Attaché qu'il sera à toi et à ta maison, parce qu'il aura été heureux chez toi. Alors tu prendras un poinçon, tu en perceras son oreille contre la porte, et il restera ton esclave indéfiniment. Tu en useras de même pour ta servante. Qu'il ne t'en coûte pas trop de le renvoyer libre de chez toi, car il a gagné 2 fois le salaire d'un mercenaire en te servant 6 années. Et Yahweh, ton Elohim, te bénira dans toutes tes entreprises. Tous les premiers-nés mâles de ton gros et de ton menu bétail, tu les consacreras à Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras point travailler le premier-né de ton gros bétail et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. C'est devant Yahweh, ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi, que tu le consommeras annuellement, toi et ta famille. Que s'il a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelques autres vices graves, ne l'immole pas à Yahweh ton Elohim. Consomme-le dans tes villes, l'homme pur et l'impur le mangeront indistinctement, comme le chevreuil et le cerf. Seulement, tu n'en mangeras point le sang. Tu le répandras à terre comme de l'eau. Amen.